Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le son « i » écrit comme dans le mot « une fille ». Tu vois que c'est la combinaison de la lettre « i » suivie de deux « l ». « i » comme dans « une fille ». Et aujourd'hui, on va commencer directement par les devinettes. C'est un grand singe d'Afrique. Il s'agit du gorille. Tu adores jouer avec dans la cour. À ton avis, de quoi s'agit-il? Il s'agit des billes. Elle se transforme en papillon. La chenille se transforme en papillon. Et tu vois qu'il y a même chenille et papillon qui ont tous les deux la combinaison ILL qui fait le son I. Chenille, papillon. Ah, c'est ma fleur préférée. C'est une fleur qui symbolise le printemps. C'est une fleur jaune. Il s'agit de la jonquille. Alors, si le français était facile, ça se saurait. Donc, à chaque fois que tu vois la combinaison ILL, tu sais que tu peux prononcer le son I. Mais il y a trois exceptions. Le premier, c'est le mot ville. Ville et tous ses dérivés, comme village. La deuxième exception, c'est le mot mille. Mille comme dans 10 centaines ou comme 100 paquets de 10. Mais on n'est pas là pour faire des maths. Et la dernière exception, c'est tranquille. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton cahier d'écriture et écrire les mots suivants. Tu peux faire pause sur la vidéo le temps de les écrire. Ces mots, ce sont une famille, un papillon, un billet. Une fois que tu les as écrits, tu peux prendre ton manuel à la page 123, mettre la vidéo sur pause tranquillement, le temps de lire les syllabes que tu trouves en haut de ton manuel page 123. Et puis quand tu as terminé, tu peux reprendre la vidéo et on va lire ces syllabes ensemble. Quille. Guille. Brille. Dille. Maintenant, on va lire les mots. Maintenant, tu peux lire les mots de ton manuel, page 123. Tu peux mettre la vidéo sur pause le temps de les lire tranquillement. Et puis, quand tu as fini, tu peux reprendre la vidéo. Je vais entourer un mot et tu vas le lire. Allez, c'est parti. Ça pétille. Une anguille. Un billard. Une coquille. «
Pour terminer cette vidéo, nous allons lire le texte qui se trouve dans ton manuel à la page 123. Tu peux faire une pause sur la vidéo le temps de le lire tranquillement de ton côté, et puis nous allons le lire ensemble. Allez, c'est parti. Une chenille est un petit animal avec des pattes. Elle mange beaucoup et grandit très vite. Un jour, la chenille arrête de manger et de bouger. Elle s'accroche à une brindille et s'enferme dans un cocon pour se transformer. Au bout de 2 semaines, quelque chose commence à sortir. Un nouvel insecte, un papillon. Il ne s'envole pas tout de suite. Il lui faut 1 ou 2 heures pour que ses ailes se déplient. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.